Huitième partie qui est la section sur l'essence et la gouvernance. Après nous être intéressés dans la section précédente au sujet des canaux ainsi qu'à toutes leurs particularités, nous avons voulu dans cette section expliquer le sujet des séphirotes vis-à-vis -vis de leur essence, selon qu'elles nous apparaissent et aides, dit Noura ainsi que vis-à-vis -vis de la voie de leur gouvernance, selon ce que nous en avons compris. Chapitre 1 la majorité des kabbalistes admis que les séphirotes sont une force qui contient de nombreuses oppositions, et ceci est semblable à la volonté de l'esprit qui change, afin d'accomplir de nombreuses actions dont certaines sont en opposition, comme l'amour et la haine, la colère et le rire, et ainsi de suite. Et il en est de même en ce qui concerne les séphirotes car elles portent en elles le jugement et la miséricorde. Elles se revêtent parfois de dînes et parfois de rachamim. Et puisque l'homme est dans la capacité de recevoir ou de prodiguer. Ainsi chacune de ces deux actions est divisée en deux, que ce soit pour recevoir le bien ou le mal, ou bien que ce soit pour prodiguer le bien ou le mal, et il en est de même pour de nombreuses actions, et c'est un petit organe qui dans l'homme gouverne selon la volonté de son esprit. Il en est de même dans le cas des séphirotes. Dans chaque séphira se trouve une force permettant d'accomplir des myriades d'actions différentes, chacune selon son domaine, sa force sa compréhension, sa connaissance et la nature que lui a donné l'émanateur. Et nous savons que cette introduction avec laquelle nous avons commencé est difficile pour l'étudiant. Ainsi, il dira, s'il en est ainsi, il était suffisant d'avoir une seule séphire. Alors pourquoi en fit-il émanédis puisqu'une seule est une force qui gouverne de nombreux contraires et que grâce à elle toutes les actions peuvent être accomplies? À cela nous répondrons que nous avons besoin de ce qu'il a été expliqué dans la section sur le sens de la tzilut. C'est-à-dire que pour que l'homme atteigne ce qui est dissimulé, c'est-à-dire la divinité, il est besoin que cette révélation se produise, et ce jusqu'à dix révélations situées les unes au-dessous des autres, afin que les créatures puissent atteindre un peu de la connaissance de la hauteur de l'émanateur. De plus, même si nous disons que chaque séphira possède en elle une force qui régit de nombreux contraires, il existe de nombreuses choses que l'une prodigue mais pas les autres, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérite mais dépendent du mazal. Et l'explication en est que le mérite c'est Z et que le mazal c'est Keter. Et la signification en est que puisque la majorité des bontés et du bien se propagent depuis Ez comme son nom l'indique, les enfants, la vie et la nourriture ne se trouvent pas entre les mains de cet attribut, mais leurs principes se trouvent dans Keter car c'était la constellation suprême. Et bien que les commentateurs aient expliqué qu'il s'agit d'un autre sujet en disant que le mérite c'est Gebura. C'est selon nos paroles que cela est expliqué dans les Tikkunim, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations à propos du mérite. Et ainsi, nous allons expliquer que Bina est celle qui reçoit ceux qui se repentent, c'est pourquoi elle est appelée Teshuva. Et c'est là que se trouve le principe de la dépendance du pardon et de l'expiation vis-à-vis de la force de la quête terre suprême qui lui prodigue. Et de la même façon, la vengeance se trouve dans Gebura. Et ainsi, les œuvres changent et disparaissent des séphirotes. Et ce qui disparaît de l'une ne disparaît pas de l'autre. Et ce qu'il est dit plus haut, c'est qu'il existe une force qui gouverne de nombreux contraires. Et ainsi, c'est avec l'œuvre qui se propage à partir d'elle qu'elle doit accomplir de nombreux contraires, comme au sujet de l'œil dont les actions sont des visions qui contiennent des oppositions, que ce soit de mauvaises ou de bonnes visions, de faibles ou de larges visions. Et il en est de même au sujet des séphirotes. Ceci est semblable à quiconque revient vers Dieu de toutes ses forces et de toute son âme, comme dans le cas du repentir du roi David qu'il repose en paix, ainsi que dans celui de tous les autres qui revinrent vers Dieu de toutes leurs forces sous la forme du repentir. Cela, il est certain que le repentir s'élève et reçut au mieux pour élever leur nezhama vers le degré éminent de ceux qui se repentissent, et lorsque le pécheur ne revient pas vers Dieu à ce niveau. Alors son repentir est reçu, mais sa Nechama ne s'élève pas vers ce degré éminent vers lequel s'éleva le repentir du roi David, qu'il repose en paix. Et il en est de même pour celui qui se repent mais ne mortifie son âme que légèrement. Et il y en a qui ne font que confesser leurs péchés, et il en est de même pour celui qui ne se repent pas en affligeant son esprit. Et il en est ainsi pour toutes les choses qui existent distinctes et que la connaissance des fils de l'homme ne peut contenir, car seule sa connaissance et sa force divine qu'il, béni et exalté soit-il. Place ça dans les séphirotes le peuvent, et toutes ces distinctions viennent pour le bien et la récompense dans le monde à venir, et il y en a également qui viennent châtier ceux qui ne se mortifient pas et yoma qui en respectant les cinq mortifications qui dépendent du yoma qui qui est assurément bina, car il n'est pas approprié de châtier celui qui mange à satiété de la même façon que celui qui mange la valeur d'une ou de deux olives. De même, celui qui mange et boit ne doit pas être traité de façon identique à celui qui a des relations sexuelles, et de même, celui qui a des relations sexuelles ne doit pas être traité de façon identique à celui qui soigne le corps. Et toutes ces distinctions affectant la réalité, la connaissance humaine peut les contenir, alors d'autant moins les juger, et seule la force divine le peut. Et en ce qui concerne les mitzvotes négatives ou positives, elles sont divisées et dépendent des dix séphirotes. Et puisqu'elles sont au total 248 mitzvotes positifs dans ZZ et 365 négatives dans Gebura. Leur particularité se réfère aux dix séphirotes, comme nous l'avons dit, et le châtiment ou la récompense, l'exigence de jugement ou la réparation du dommage qu'a provoqué le pécheur, dépendent des séphirotes auxquels la mythe va se référer. Et leur particularité, leur jugement, leur récompense et leur châtiment, en général et en particulier, sont une force qui régit les nombreux contraires dont nous avons parlé. Car s'il se trouvait dans la séphira une force ayant une capacité, alors si elle faisait du bien elle ne pourrait châtier. Et si elle punissait, elle ne pourrait récompenser. Et si la récompense augmente pour l'une, elle ne peut diminuer pour les autres. Et si elle diminue pour l'une, elle ne peut augmenter pour les autres. Mais il est assurément nécessaire que la force qui gouverne les contraires juge le pécheur ou récompense le bienfaiteur, que ce soit un peu ou beaucoup, et que toutes ces œuvres se fassent par la volonté de l'émanateur qui leur prodigue sa providence. Et ceci se fait par l'intermédiaire de ces séphirotes comme nous l'avons expliqué plus haut dans la section sur les sens et les réceptacles. Et c'est ainsi que le monde est gouverné. Et la question ne revient pas à dire que toutes les mythes se trouvent dans une seule force et que leur gouvernance elle-même se trouve dans cette force, à partir des nombreuses interprétations que j'ai présentées dans la section sur le sens de la et que j'ai expliquées plus haut. D'autre part, les mitzvot ne nécessitent pas les séphirotes alors que les séphirotes nécessitent les mitzvot car c'est par le fait que nous accomplissions une mitzvah que la force qui se réfère à cette mitzvah est reliée à la mitzvah, car elle la branche de la séphira, de sa racine. Et c'est la volonté de notre créateur que de les relier à ces séphirotes car c'est dans leur lumière que nous verrons la lumière puisque c'est en elle que se trouve son essence, et c'est la gloire du roi du monde qui est fixée dans ses palais et ses trônes car il est approprié que sa Shekina se trouve parmi nous et certaines mythes votent la force de faire disparaître l'esprit d'impureté de la terre de sorte que les idoles sont détruites et c'est la gloire du roi du monde qui lutte contre ceux qui s'insurgent contre lui et là-dessus nos sages de mémoire bénis ont dit et il ouvrira une bouche sans mesure pour celui qui n'accomplit pas une seule loi c'est-à-dire une seule misocre et cela bien qu'il n'ait transgressé aucune mitzvah va négative ainsi il n'aura aucune part parmi ses attributs béni soit-il puisqu'il n'aura réparé ou uni là aucun attribut qui puisse s'y attacher. De plus, nous pouvons répondre à ce propos de façon plus fine et mieux admise, et c'est que le sujet des séphirotes concerne la révélation de leurs forces comme des conséquences provenant de lui, et elles sont contenues dans son essence, comme cela sera plus amplement expliqué dans la section sur les clartés, et c'est la cause de la gouvernance, et la bonté, la miséricorde, la puissance, la splendeur, la louange. La charité et la royauté sont toutes des attributs régis par lui et cachés dans son essence, et cela n'implique pas une multiplicité dans l'émanateur, à Dieu ne plaise, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'organisation de la tsiloute, et nous l'expliquerons également dans les troisième et quatrième chapitres de la section sur les clartés. Et maintenant, on demandera, pourquoi fit-il l'homme dans son vêtement, c'est-à-dire avec des mains des jambes et des doigts. Ce n'est pas le cas. Car nous répondrons que puisque ceci est un vêtement pour le corps et que le corps est la cause du vêtement, il est nécessaire que le vêtement s'applique au corps sur toutes ses parties et sur tous ses membres. Et puisque les séphirotes sont la révélation de ses attributs et qu'elles sont un vêtement pour eux, comme nous l'avons expliqué dans le quatrième chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles, ainsi la question pourquoi est-ce ainsi et non d'une autre façon ne peut s'appliquer. Comme nous l'avons dit, et voici qu'il va être expliqué pourquoi les questions, pourquoi ces organes sont ils comme ceci et non comme cela, ou bien pourquoi ces dimensions sont ainsi et ainsi de suite, ne s'appliquent pas au corps de l'homme. Car puisque le corps est un vêtement pour la Nejama, la nejama révèle ses œuvres grâce à lui, à tel point que lorsque l'on pêche et que l'on se souille, le péché se trouve imprimé dans la et ensuite dans le corps. Comme en a témoigné le prophète dans ses principes de morale, l'apparence de leur visage témoigne contre eux. Et de même. Il est dit dans le zoar que lorsque la peste se trouve dans une ville, à Dieu ne plaise, il est bon que tout homme se couvre le front afin que l'ange de la mort ne puisse détecter les péchés gravés sur son front. Et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, quiconque mange de la viande et bois du vin le soir du neuf ave, ses péchés seront gravés sur ses ossements. Comme il est dit, leurs péchés seront sur leurs ossements. Et tout cela a pour cause le fait que la Nechama fait paraître ses œuvres en eux. Et les tâches qu'elle porte apparaissent dans le corps. Et voici qu'il est connu que la Nejama contient dix. Comme nous l'avons expliqué dans le cinquième chapitre de la section sur dix et non 9. Et cela sera également expliqué dans la section sur la Neshama. Et puisque la Nejama contient tous les mondes supérieurs, il est nécessaire que son vêtement soit une empreinte et quelle est la forme de la c'est-à-dire la forme des mondes supérieurs. Et c'est ce qu'il est dit, et de ma chair, je verrai Dieu apostrophe. Ainsi, il se trouve qu'il est nécessaire que ces membres contiennent cette nature, ces divisions et celles ne que sont les canaux du chefa qui est prodigué aux membres, et tous ces membres sont vérifiables en tant que tels et ne nécessitent aucune indication, et cela sera longuement expliqué dans la seconde partie de la section sur la Nejama. Et voici qu'avec cela nous en avons fini avec le sens de la tsilout, outre ce que nous avons expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur le sens de la tsilout. Chapitre 2 après avoir commencé dans le chapitre précédent le sujet des séphirotes et après avoir expliqué qu'elles sont une force qui gouverne de nombreux contraires, nous pouvons dire que c'est la signification du fait qu'elles soient appelées séphirotes, à partir de l'expression saphir. Car tout comme le saphir n'a pas de couleur particulière mais contient toutes les couleurs visibles en lui, de même la séphira contient tous les contraires, comme nous l'avons expliqué. Et puisqu'elles ont chacun une couleur, comme nous l'expliquerons dans la section sur les couleurs, c'est par cet aspect qu'elles sont appelées séphirotes, comme nous l'avons expliqué. Et elles sont également appelées séphirotes à partir de l'expression siour, et c'est ainsi que l'a expliqué Rabbi ben shem-tov dans le quatrième chapitre de la quatrième section du Sefer Amunot, dans le Baïr. J'ai trouvé, pourquoi les appelle-t-on séphirotes Car il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et voici que cela signifie que tout comme la parole et l'écrit s'expliquent par leur limitation puisqu'il s'agit de percevoir des choses mystérieuses dans la pensée du sage. De même les cieux se réfèrent à Dieu, béni soit-il, car ainsi les séphirotes sont celles qui révèlent les pensées cachées et les formes séparées de toute corporalité, qui n'ont ni compréhension ni représentation. Et les paroles du sage sont telles car les séphirotes racontent et limitent ce qui est dénué de limites, et non précisément la limite, à Dieu ne plaise comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, et il y en a qui expliquent que cela provient de l'expression mise par car le nombre est doté de limites, et bien qu'elles soient dénuées de limites vis-à-vis -vis de leurs racines simples, elles sont dotées de limites vis-à-vis -vis de leur action envers nous, comme cela est expliqué plus haut, et d'autres commentateurs ont expliqué que cela provient de l'expression siour, et la signification en est que le récit et la parole sont permis en ce qui les concerne mais ce n'est pas le cas vis-à-vis -vis de l'aine soft et il y a en qui explique que cela provient de l'expression phare comme une ville proche d'une frontière et c'est l'expression d'un domaine et d'une limite et la signification en est qu'elle limite ce qui n'a aucune limite et le sens en est qu'elle limite uniquement de la façon dont nous l'avons expliqué et ce qu'il est bon d'expliquer c'est ce que nous avons dit dans le chapitre précédent c'est-à-dire que la gouvernance la récompense et le châtiment se font par l'intermédiaire d'un attribut particulier. Mais cela ne veut pas dire qu'il agit uniquement par l'intermédiaire de l'attribut Z. à Dieu ne plaise, car sinon il s'agirait d'une division et d'une coupure, à Dieu ne plaise. Car s'il était possible que l'œuvre se fît par l'intermédiaire de l'une des séphirotes, il se trouve qu'il serait possible qu'une séphira se divise elle-même en portions. Et ceci n'est pas la vérité, et il n'est approprié de représenter l'action et la gouvernance par aucune séphira en tant que telle du fait que la séphira n'agit pas par l'intermédiaire de sa propre réalité, mais la gouvernance se fait grâce à elle toute. Et lorsque nous disons qu'une action se fait par telle ou telle Séphira, la signification en est que lorsque Z augmente dans une Séphira, Malcoute soit leur chefa, et elle se trouve alors toute en elle avec grâce, et toutes s'accordent du côté des Z. Et de même, Lorsque Geburah renforce le jugement et la rigueur dans une Séphira, Malkuth soit leur chefa, et elle se trouve alors toute-puissante en elle, et toutes s'accordent du côté de Geburah, et c'est ainsi que le Rajbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Sefer Hatikunim, lorsque cette pierre chercha à appliquer un jugement à Amalek, ou d'un autre côté les coupables, elle fut jetée depuis Geburah. Et en elle se trouvaient contenu toutes les séphirotes qui furent désignées à cause d'El Et lorsqu'elle chercha à faire preuve de bonté envers le monde, elle fut jetée depuis Ezed. et en elle se trouvaient contenues toutes les séphirotes qui furent appelées à sa dîme. Et lorsqu'elle chercha à faire preuve de miséricorde envers le monde, elle fut jetée depuis le pilier central, et en elle se trouvaient contenues toutes les séphirotes qui furent appelées à sa dîme. Voici qu'il est expliqué dans ce commentaire comment toutes les séphirotes s'accordent avec la séphira qui fait preuve de puissance. Le tout par l'intermédiaire du dernier attribut qui gouverne le monde car c'est en lui que se trouve le principe de la gouvernance. Ce qu'il est bon de préciser à ce sujet c'est comment il est possible que Ez s'accorde avec le côté de Gebura, ou Gebura avec le côté de Ez, car ce sont deux opposés, l'un est en jugement et l'autre bonté. Et comment est-il possible de dire que ce qui est bonté correspond à ce qu'accomplit la force de jugement?